vous découvrez l'homme qui peut avoir une importance, toujours d'ailleurs dans un match de cet enjeu, monsieur Michelotti, arbitre de très bonne réputation. Que va-t-il se passer? Bien difficile de le dire, les supporters scorent ici qui sont nombreux, ils sont 4 à 500, il y a en particulier un groupe de Isonach, un petit village corse qui suit l'équipe depuis ses débuts, qui a fait absolument tous les déplacements. Ces supporters deviennent de véritables globe-trotteurs, ils font le tour de l'Europe. Les supporters sont confiants, bien entendu, il faut que Iéna gagne par 5 à 0 pour obtenir la qualification, ceci paraît impensable, mais un match de football demeure toujours un match de football. On a vu Iéna s'effondrer à Bastia, bien entendu, ne souhaitons pas que Bastia en fasse de même à Iéna pour rendre la politesse. Pour essayer de nous rassurer un tout petit peu, en 22 ans de Coupe d'Europe, dans toute l'histoire de la Coupe d'Europe, aucune formation n'a réussi jusqu'à présent à remonter à l'écart de 5 buts, ça s'est produit au niveau de 4 buts, mais jamais au niveau de 5. Alors, top dans quelques instants avec monsieur Michelotti pour le coup d'envoi. C'est parti avec Bastia. Voilà, Johnny Rest, premier ballon de Johnny Rest qui est parvenu de Pachi. Dans une ambiance survoltée, autant vous dire qu'il est dans les intentions de Iéna d'attaquer très dur. Pour eux, bien entendu, il s'agit de jouer le batou. Et l'entraîneur s'est promis un véritable festival offensif, en particulier par Rab, numéro 9, qui avait marqué 2 buts à Bastia. Quand Landucci joue sous les ballons, alors que Topfer là-bas, profité de la touche, parvenu à Raff. À Raff, c'est pour lui-même, contré par Kahn. Ça repart par Weise. Weise qui a voulu lancer Raff en position d'avant-centre, mais Landucci a donné en retrait à Marc Veller. Voilà, contre le vent. Il faut vous dire que Bastia joue contre le vent. Ceci est important en première mi-temps, en considérant qu'ils auront l'avantage pendant la deuxième mi-temps. Papi, qui avait été devancé par Weise, vous savez que les Allemands jouent très vite. Donc, Schumann, Topfer, semble Topfer. Le dégagement de Guédon, qui avait été magnifique à Bastia des Anges, une reprise ici de Topfer. Une balle en cloche au-dessus de la barre de Marc Veller. Il faut dire qu'on s'attend à un début de match absolument fracassant des Allemands de l'Est, et du reste leur unique et seule chance vraiment d'essayer de réaliser le miracle, car 5 buts, il faut les remonter, et si ça ne démarre pas sur les chapeaux roux dans les 20 premières minutes, eh bien les carottes seront pratiquement cuites pour les Allemands de l'Est, et les Bastiais veulent se montrer bien sûr rigoureux en défense au cours de ces 20 premières minutes, et surtout essayer bien sûr de contre-attaquer et de lancer quelques raids dans la défense des Allemands, toujours au cours des 20 premières minutes. Pour l'instant, les Allemands de l'Est attaquent, mais avec beaucoup d'impôts, vous voyez, les joueurs corses se relâchent et dégagent leur camp et essayent de jouer au milieu du terrain où ils essayent de conserver le ballon. Bouturef entre Johnny et Brouwer. Brouwer, l'arrière droit de Iéna, alors que l'AQSA lance ici pour son compère Larion, qui joue avec des gants noirs. Crimo qui a laissé passer pour Burton. C'est une feinte favorite de Crimo qui le fait souvent. Mais cette fois-ci, il n'y avait absolument aucun Bastia. Il comptait bien entendu trouver lui, Johnny Reff, en position d'ailier gauche. Et Johnny jouait replié. Voilà, Raff qui a raté devant Landucci. Reprise de Larios. Il y a Marconi derrière lui. Voilà, Marconi. Va passer par Guédon, c'est fait. Va pouvoir relancer de l'autre côté, renverser le jeu. Qui peut être pour Johnny Rep et qui l'est d'ailleurs.
est là-bas au centre. Voilà, c'est pour lui. Il y a cette déviation. A retrouvé Franceschetti, Crimo, Papi. Ça joue très vite du côté de Bastia. On essaie pour Crimo, mais Weiss est là. Stefazer avec Larios, avec la Cuesta, pardon. Weiss pour Krapatin, qui a repris sa place. C'est le gardien titulaire de l'équipe de Jena et de l'équipe nationale de RDA. La Cuesta, Franceschetti, Marchioni. Il en essaie de repartir par Spengewald. Alors que Larios a récupéré ce ballon. Larios qui a essayé de chercher Papi, très marqué. Par tout seul, Caz est parti là-bas à gauche. On a repassé par sa ligne de défense, par Orlanducci. Pour un peu faire venir ses Allemands qui manifestement, même chez eux, ont tendance quand même à se replier très vite. Alors que Caz était parti là-bas et que Weiss met en touche. Caz à la touche, Johnny reste devant lui. Il y a peu de Bastia en réalité. Caz est gêné. Essaye de passer par Primo, l'homme en Weiss qui était sur F. Et coupant pour les Allemands, vite joué par Grappentin pour Neuber. Comme Jovais. Comme Jovais cherche un partenaire là-bas sur la gauche pour Vogel. Il n'en a pas beaucoup vu pour l'instant. On l'attend un peu. C'est une des curiosités de ce match. Guédon a dégagé. Papi prolonge. Crimo, Franceschetti, c'est bien joué tout ça. Il manque bien quelqu'un à droite. Et oui, donc il faut passer par la gauche par Crimo qui peut arriver le premier. Il s'en est fallu de peu. Intervention de Brouwer. Oui, on voit tout de suite cette action. Il n'y avait personne pour aider le basket en offensive. Mais tous les autres joueurs bleus étaient immédiatement derrière, 10 mètres derrière. Et c'est là pour l'équipe de basket, volonté déterminée d'attaquer l'adversaire et surtout le ballon le plus loin possible de leur but, c'est-à-dire d'essayer de préparer le jeu au milieu du terrain, mais absolument pas de subir le jeu adverse en phase de réparation. On attaque le plus loin possible de son but. D'ailleurs, vous remarquerez que je vous dis souvent qu'il n'y a personne à droite et pour cause, alors que Guédon là-bas s'enfonce, centre de Guédon, Crimo peut reprendre pour lui mettre du gauche. Et rate la reprise, mais c'était bien joué. À se lever du pied droit et à repris du gauche. Crimo qui était bien placé. Oui, quand je vous disais qu'il manque souvent quelqu'un à droite et pour cause, c'est qu'on a donné comme consigne à Larios, qui est un numéro 7, mais tout à fait nominal, de jouer en quatrième milieu de terrain. Pour assurer le coup, il n'est pas question, a dit Cahuzac, de jouer les voltigeurs, faisant allusion à l'histoire de Jena, et il a raison. La Cuesta, Larios, Marchioni. Et la balle aidée par le vent, légèrement à l'effet, donne une sortie très vite jouée par Sengewald, qui avait croisé avec Neuber. Sengewald, la Cuesta, Rep, bousculé, mais à la descente de l'action. Schneffazer, Rapp, auteur de deux buts à Bastia. Attention à Rapp, départ sur le pied gauche. Bien joué de Rapp qui cherche, à chercher, attention à Vogel. Vogel qui était hors jeu. Monsieur Michelotti avait sifflé, mais il est très difficile quand on a un casque et une foule grise d'entendre si l'arbitre va m'en siffler ou pas. Et on a eu peur un moment. La caisse avait détourné, Papi. Guédon loin devant, mais la balle, vous voyez, brille et revient à cause du vent. Rep chargé par Weiss et Brouwer. Coup franc pour Rep. Larios en retrait pour Guédon. Alors que M. Michelotti demande que l'on rejoue. Le coup franc obtenu par Johnny Rep. Guédon encore, Orlanducci est parti, il a vu d'ailleurs. Ah, il savait fallu de peu que Orlanducci arrive le premier sur le ballon. Koblovaï, Novak, Brouwer. Voilà, les Allemands essaient d'occuper le camp bastien et de construire. Neuber. Et non, il y a une certaine impression.
ce qu'il y a à redouter, c'est leur jeu de tête. Et pour l'instant, ils n'ont pas eu encore l'occasion de s'employer sur ce genre d'action. Il faudra que Veller soit très vigilant et aller chercher ses centres aériens en s'enfuyant les Allemands, et qu'en général, ils utilisent à merveille. Et en particulier Vogel, l'ailier gauche, qui mesure plus d'un mètre 80, le jeu d'avant central. Et puis bien sûr le numéro 6, Stoppaz, qui il y a 15 jours ici, en championnat d'Allemagne, a passé 3 buts à l'équipe de Halle. Ce jour-là, les Allemandais avaient gagné par 6-1 contre leur adversaire. Beaucoup d'ambiance ici, 11 000 spectateurs, alors que le soleil fait son apparition, qu'il y a simultanément quelques gouttes de pluie, et un vent toujours extrêmement violent qui souffle contre l'équipe basquienne, alors que ce sont maintenant les Allemands qui attaquent ici par leur numéro 10, Stoppaz. Le numéro 8, Lindemann, l'intervention de Guédon, toujours très présent, et une tentative mais complètement manquée là-bas avec un tir en cloche qui est désigné de Konrad Weisel, un des trois internationaux de cette équipe du Carl Zeiss Jena international avec Kurt, et puis également Lindemann. Voilà, 9 minutes de jeu. Si vous prenez l'antenne en ce moment, si vous rentrez chez vous, sachez que Bastia à Jena et Jena sont en match nul 0-0. Et je vous rappelle bien entendu que Bastia compte toujours, donc à ce moment-là, 5 buts d'avance. Les Allemands aidés par le vent qui devraient établir une pression sur cette équipe de Bastia qui, elle, doit se contenter de jouer en contre-attaque et qui prend des initiatives couramment. C'est-à-dire que le jeu est à égalité actuellement entre les deux équipes. Et Bastia, fidèle maintenant à sa tactique habituelle et presque à sa légende, ne joue pas derrière, bien au contraire, mais essaye de créer des occasions autant que le font les Allemands. Franceschetti, rep. Franceschetti qui a pu repartir, gêné par Neubert, qui profite de la sortie. Lindemann, 15 avait été le premier sur ce ballon, qu'il récupère d'ailleurs, il n'a pas pris derrière lui, il va faire passer par Roland Lucci, Lacuesta. Lacuesta, Larios qui vient au secours. Ah non, passe imprécise de Lacuesta, qui a été récupéré par les Allemands. Pour Lindemann. Et Marconi, un peu la désespérée, mais il a eu raison. Il ne fallait pas laisser Lindemann s'avancer davantage. Franceschetti, sur la ligne de centre, cherche Johnny Reff. Suivi par Brouwer, comme son nom. Voilà. Et poste de Johnny Reff sur Brouwer, si c'est dans M. Michelotti. Cela n'a pas paru très évident, Johnny Reff était en pivot à ce moment-là. Neubert le long de la ligne de touche, alors qu'il n'y avait strictement personne. On doit jouer aveuglément sur Vogel, on pensait qu'il était à son poste. Il n'y avait strictement personne, si Neubert avait levé les yeux, il aurait vu que c'était une évidence. Guédon, Veller, alors que le soleil fait son apparition, oh, très timide, très pâle, ne réchauffant absolument pas la température, mais donnant un petit air de fête à ce stade qui est coquet, mignon, dans une ambiance un peu campagnarde, avec une colline boisée au-dessus, un stade découvert d'ailleurs. On a Weisse dans sa surface, mais il n'y avait que Larios qui pouvait être menaçant, mais Franceschetti a repris. Larios s'est gêné un instant avec Rep. Larios pour Rep. Et non, le départ de Rep est un peu tardif, ou l'action de Larios prématurée, quoi qu'il en soit, ils ne sont pas trouvés. La Cuesta, et voici Vogel. On va suivre du ballon pour un Roland Lucci, qui est comme d'un coup franc, pour un coup de coude, sur Vogel. Konglovac a joué très vite, tend du pied droit contre le papy. Konglovac a récupéré. Il a trouvé là-bas son capitaine Weisse. Weisse qui a Lindemann à côté, qui essaie de partir tout seul et qui se fait contrer par Franceschetti. Papi, Lacuesta, ballon central, la mise des deux, les Allemands, donc pour Blouvaille, rêve à récupérer. Lacuesta en position d'ailier droit, Crimou est au centre, Larios en position d'ailier gauche. Voilà, tout passe pour Larios, attention, tir de Larios, et contré, on le sentait partir. Blouvaille était là. Larios avait pu armer, mais dans une position qui était moins favorable que celle qu'il a connue à Bastia lors du premier but. Les Allemands sont repartis,
contré par Caz. Le ballon est récupéré par Franceschetti. Ref. Ref retenu, carrément, par Lindman. Franck jouait très vite, qui était destiné à Caz. Tourbeweis relance. Vogel a essayé d'intervenir devant Guédon. Jeu dangereux, coup franc. Que tire le même Guédon. Alors que Davios a retrouvé sa position d'ailier droit sur ce coup franc. Reste privé du ballon par Neubert. Tourbeweis sur la gauche. Avec Orlando Ducci. Bonne couverture de balle, ce Rapp, joueur très dangereux. Rapp toujours qui s'est appuyé sur Topfer. Et coup franc concédé par Guédon. Sur Rapp. Et 14 minutes de jeu et on s'en est rendu compte rapidement. Vous voyez, les Bastiennes ne sont pas venus ici avec l'intention de vivre sur leur avantage. Ils le pourraient avec 5 buts d'avance. Et les joueurs de Cardassina, eh bien, sont un peu surpris. Il leur faut attaquer, mais surtout également défendre pour l'instant les attaques avec le coup franc. Vice au coup franc. De toute façon, cela peut être dangereux sans les balles qu'ils adorent. Oh ! Bel arrêt en deux temps de Marc Belair, trompé sans doute par le vent. Aidé par le vent, le ballon a fait une trajectoire différente avec l'effet que lui avait donné Vice. Et Belair a arrêté en deux temps, pratiquement sur sa ligne. On a eu peur. Voilà, de la main droite, Belair a réussi à rattraper ce ballon. Très dangereux. Guédon. Voilà Larios qui essaie de partir, mais compris par Courjouvaille. Très sûr sur l'homme Courjouvaille. Un sans doute des meilleurs éléments de cette formation allemande. Franceschetti, attaqué dans le dos par Lindman, coup franc. Orlando Ducci au coup franc. Pocrimo. À grandes enjambées. Et compris par Noack. Pour les Bastiais, Larios. Vous les croisez avec les bons un peu tard. Larios va essayer de passer. Compris une nouvelle fois par Noack. Remise en jeu Bastiaise. La QSA Larios. Un petit différent ici entre Courjouvaille et Larios. Mais ce n'est pas grave. Ah, Fabien a laissé passer ce ballon récupéré par Lindman. Lindman qui avait tenté une 2 avec Vogel n'a pas pu récupérer cette balle. Cette fois-ci le contre lui est favorable. Grosse activité ce Lindman au milieu du terrain. Aujourd'hui Lindman d'ailleurs va armer le pied droit et tire comme aussi en droite. Il a bien vu. Il n'a pas pu simplement donner assez d'effet à la balle pour qu'elle puisse aller vers le but. C'est ce qu'il a tenté de faire manifestement. Mais son tir est parti tout droit, rectiligne. Il est passé à 1 mètre du poteau droit de Marc Veller. Donc ici. 16e minute de jeu entre Bastia et Iéna, score 0-0. Et vous voyez, Lindemann a tenté sa chance de loin, c'est-à-dire que l'équipe de Cardassina n'arrive pas tellement souvent à pénétrer dans la surface de réparation bastienne. Elle s'est montrée dangereuse dans trois circonstances, sur ce tir ici Lindemann, et puis tout à l'heure sur le coup franc. Et c'est là que Bastia nous surprend, décidément les Bastia font preuve d'un esprit d'initiative. Ils jouent avec une équipe décidément de commando. Ils ont surpris au Portugal, ensuite en Angleterre. On pensait que c'était deux miracles. Eh bien, ces miracles sont effacés devant l'exploit de Torino. Attention, Vogel, Georges. Vogel qui peut récupérer. Il est dangereux quand même, Vogel, un balancier. C'est manifeste. Vous voyez, quand il arrive comme ça dans la limite de la surface, il a récupéré pour lui-même. Il a quand même obtenu un corner. Joueur d'une grosse activité. Ah, ils ont joué un petit corner cette fois-ci, il faut se méfier. C'est l'effet du vent, moi, qui me fait peur. On se demande toujours quelle est la trajectoire que va prendre le ballon. Et si les Allemands tirent de loin, c'est justement parce qu'ils comptent sur cette différence de trajectoire et avec l'avantage du vent. Alors, voilà, Courjouvaille avait été trompé par la balle de Papy, mais il s'était fait un petit pont lui-même, mais il a bien récupéré. De toute façon, à propos du vent, déjà un quart d'heure de jeu, toujours 0-0, par conséquent toujours 5 buts d'avance pour les Bastiais, alors que les Allemands attaquent ici par leur numéro 10, Topfer. Une tentative de passe ici, et puis pratiquement l'Allemand, marqué donc après un quart d'heure de jeu ici sur ce centre de Topfer. Et c'est l'enthousiasme ici dans les tribunes qui salue ce premier but, il reste encore 4 points à remonter, donc 1-0 pour l'équipe de Karl Dijkstra, but
marqué par le jeune avant fort. Il est dans le rap. C'est déjà lui qui a marqué les deux buts à Bastia. Il marque un but ici. Donc, 17e minute de jeu. But de Rap sur son de Saffaire. Il y en a un, Bastia 0. Il est certain que cela relance l'intérêt du match pour les Allemands sortants et pour le public ici, qui s'est déçu. Franceschetti, Primo, tenu carrément par Noack. Comme toujours, après un but marqué, on sent que la partie se durcit un peu, mais que M. Michelotti demande aux joueurs de se calmer. Coup franc pour les Bastiens, tiré par Franceschetti. Il demande que Noack recule un peu. Une balle brossée et dégagement de Neuber de la tête. Ce qui donne un corner pour les Bastiens. Allez, but de la tête, il faut s'en méfier. Vous voyez, Rap, une fois encore, qui a pu surgir du paquet. Larios au corner, tentative de reprise de voler le Papy. La QSA, bousculée, n'a pu remettre. Les annonces dégagent par Courbouloweiss. Guédon a très bien récupéré, alors que Vogel n'était pas parti tout seul avec ce ballon. Ah, on joue un peu n'importe comment, là. Franceschetti a tenté de trop loin. Il faut calmer le jeu pour Bastia et ne pas se laisser gagner par une certaine nervosité que veulent instaurer les Allemands sur le terrain, ce qui pourrait leur être favorable. Très belle balle pour Primo, dévancé par Weiss. Les Allemands repartent par Lindmann, qui tourne au Weiss. Très encouragé par leur public. L'ambiance a nettement changé. Lindmann lance transversal. Réussi d'ailleurs pour Brouwer. Weiss. Ils ont beaucoup plus vite les Allemands depuis quelques minutes. Topfer, celui qui a centré tout à l'heure et qui a permis à Rat de marquer. Voilà, mal brossé de Topfer. Envoyé par Franceschetti qui était très replié. Larios. Ah, ça c'est des actions dangereuses. Ça se passe latéral, donc toute la défense est avancée. Alors que Vogel a bloqué un ballon sur lequel a chuté Guédon. Et Vogel voulait le coup franc pour lui. Franceschetti calmement pour Marc Beller. Beller, ballon freiné par le vent. Juste au centre du terrain. Déviation de Vogel. Ça très bien joué pour Rapp. Bien sûr, Vogel. Pour l'instant, il faut les Lindemann. Et la QSA est repartie tout seul. A passé Lindemann et Vogel de la QSA. Johnny Reff a laissé passer. Il essaie de récupérer quand même cette balle. Et parvient à la récupérer. Magnifique. Parti 2 mètres après son adversaire. La QSA. La QSA qui voulait refaire la remise en jeu. Et qui échoit Schoenfazer. Schoenfazer a hésité, a piétiné, a voulu passer à son gardien. Et finalement, n'a pas fait la touche à l'endroit indiqué par le juge de touche. Sachez donc qu'ici à Iéna, alors que Schoenfazer a fait leur mise en jeu de son gardien fantastique qui dégage loin devant, que Iéna mène 1-0 devant Bastia. Dégagement de Guédon. Vous voyez l'effet que prend le ballon. Avec le vent, déviation de Schoenfazer à destination de Vogel. Franceschetti. Crimo qui est en position d'ailier droit. Crimo qui a été contré. Attention, Courbouloweiss est en position d'ailier droit. Il s'est heurté à Guédon. Les Allemands réclament un coup franc. M. Michelotti a laissé jouer. Et la touche pour les Bleus. Voilà, Larios bousculé, tout sur l'avantage des corps. Il y avait même un coup franc accordé par M. Michelotti. La bousculade était très évidente. Calve. Guédon. Il semble Guédon qui est allé trouver Larios.
Kairos, mais attention, les Allemands récupèrent beaucoup de ballons. Hein. Schenfazer avait récupéré. Lancé la balle de Herrera, attention, un centre. Heureusement que Aichard de Lippmann sur Valère, alors tout à fait invraisemblable, alors que Valère avait bloqué le ballon depuis un bon moment. Lippmann s'est jeté de l'épaule contre le gardien, sans aucune gravité. Une balle qui pourrait être pour Crimo, qu'il récupère d'ailleurs de la tête. Ref qui la dévie. La Cuesta. Compré. Orlanducci, la Cuesta. Allez, Lippmann qui commence à jouer dur. Depuis quelques instants, là, il a été un peu fort sur la Cuesta. Ça fait deux fois en une minute. Johnny Rêve. Crimo, c'est du bout du pied. Attention, c'est pas ce qu'il fait. Ah, l'arrière s'est passé. Voilà. Magnifique, toujours pas fini. Magnifiquement joué par Jean-François Larios qui avait sa chance. Un but exceptionnel de sang-froid. On s'attendait à ce que Larios essaie de pivoter et tirer lui-même. Il s'est senti plus ou moins gêné. Il a cherché Papy qui arrivait. Très très bien joué, un but d'une grande lucidité. 24e minute de jeu, but de Papy. Iéna 1, Bastia 1. Et ça, c'est un but qui compte beaucoup. Même si on ne tient pas compte des 5 buts d'avant que Bastia avait acquis lors du match aller, c'est 2 buts à l'extérieur qu'il faut toujours marquer en Coupe d'Europe. Intervention de Veller. Avec ce but était beau, 203, à tel point qu'on n'y croyait plus. On a l'impression que Larios, sur ce coup, avait été lent, qu'il n'avait pas osé prendre sa chance alors qu'il était tout seul devant. Mais il lui fallait encore pivoter. Il a préféré. Et il a vu surtout Papy qui arrivait. Donc les Allemands se déchaînent là-bas. Les centres aériens qu'ils affectionnent. Et la balle est derrière. Rab était prêt, tout près de Marc Veller, à intervenir. Et quand on connaît la défense de cet avant-centre qui a déjà marqué 3 buts au Bastier. Corner, obtenu par Vogel. Attention à l'effet avec le vent. Attention, Veller est reprise juste devant. Toujours très dangereux. Toutes ces balles aériennes sont dangereuses. C'est pour ça qu'il y a toujours un suspense alors que l'on se bat là-bas au point de corner. C'est un ballon qui finalement est concédé. En corner par les Bastiais, par Franceschetti. Attention à ces balles brossées. Et Veller du point, très bien joué. Parce qu'il faut à tout prix qu'il sorte à chaque fois. Il est resté très vigilant parce que le vent est contre lui. Cela ne fait qu'ajouter à l'efficacité déjà grande du jeu de tête allemand. Très avancé. Prolonge pour Johnny Reff. Il contre le grand patin. Alors que les Allemands avaient cru long jeu, Reff était parti en freine. Et il passait vite de Reff, c'est pour ça qu'il les a trompés. Très très belle occasion, Sébastien. Et bon réflexe du gardien grand patin. Lindemann. Vogel, Weiss. Vogel est en position d'avant-centre. Weiss part tout seul. Passe par Rab en position d'ailier gauche cette fois-ci. Attention à Rab. Gros fauché à la limite de la surface. Oh que j'ai eu peur. À quelques centimètres près, M. Michelotti n'aurait sans doute pas hésité à siffler un penalty. Effectivement, Rab a essayé de se projeter dans la surface, c'est de bonne guerre dans ces cas-là, même M. Michelotti a bien vu l'impact exact du coup, vous voyez, juste à la limite de la ligne, c'est l'endroit qu'il indique. Il a fait attention encore, je me répète peut-être, mais le vent, voilà, balle brossée et dégagée par Kahl. Et reprise de Weiss à côté, c'était bien tenté d'ailleurs, la défense est hors de position, un peu prise à contre-pied, la reprise aurait pu faire rouge. Oui, il faut, Pierre, se méfier du vent, mais également de tous les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire de tous les corners et les coups francs sur lesquels les Allemands se sont déjà montrés dangereux. Et il faut se rappeler également le mauvais souvenir de l'équipe lantoise face à un match de groupe, puisque l'autre équipe est-allemande avait réussi la plupart de ses buts sur des coups de pied arrêtés. Mais on doit dire que les Bastiais ont parfaitement
raison de vouloir continuer à jouer de la sorte. Vous voyez, le match est très ouvert. On attaque côté Casaleccina, mais également du côté Sporting Club de Bastia. 1-1 après maintenant 28 minutes de jeu. Ce but, vous l'avez dit, est très important, mais il faudrait maintenant que les Allemands de l'Est l'emportent par 6-1, si on en restait là, 6-1 pour se qualifier. Et nous sommes loin du compte, puisque donc après 28 minutes de jeu, 1-1 entre Casaleccina et l'équipe bastiaise, qui a été inquiétée pendant quelques instants, mais fort heureusement, la Cuesta est bien relevée. On va dire qu'il y a Usac et Jules Philippi sur l'écran actuellement, le réalisateur allemand, contre l'état-major bastiais et les remplaçants éventuels. Vous voyez deux herbures capuchonnées, il fait très froid, et c'est des praticiennes masseurs que vous avez découvert avec ses lunettes. On est un peu frigorifié sur le banc de Bastia, mais tout va bien sur le plan du moral, un partout, et on attaque tout. Et on fait largement jeu égal avec les Allemands chez eux. Ils se lancent par contre, ils se rappent poursuivi par Orlando Tchi. Toujours Rapp. Ah non, Orlando Tchi lui a coupé la route et Rapp s'est fait avoir. Monsieur Michelotti lui fait sentir d'ailleurs, lui applique de la main en disant, mon Dieu, fallait vous y prendre autrement. Larios. Franceschetti. Récupéré par Rapp, encouragé par toute la foule, attention à la reprise. Ouh, que c'était dangereux. Ouh, que c'était dangereux. Toffer a remis son pied gauche. Et il a fallu l'intervention de Guédon au dernier moment, qui concède un corner mais qui sauve la situation. Hildmann. Hildmann à la terre. Ah, on va peut-être revoir cette action, en tout cas, beau réflexe de Marc Veller. Difficile de dire s'il était dedans ou sur le poteau à l'extérieur. En tout cas, Veller a eu raison d'assurer. Et de belle façon. Corner donc pour les Allemands qui les collectionnent. Koblovac qui va tenter. Mal contré par Papi. Hildmann remet. On cherche la tête à bas de Vogel qui s'est heurté avec Veller. Vous voyez que Veller a raison. Il va sur toutes les balles rouges. Je pensais d'ailleurs qu'il y avait foot contre le gardien en l'occurrence, mais c'est un corner tiré par Vogel. Et ça recommence. C'est un pilonnage aérien en règle. Il y a 5 Bastiais qui veillent sur la ligne de but. Et il faut effectivement faire un réseau. Et recorner en face de droite à gauche. Cette fois-ci, on change de botteur. C'est Lindemann. Voilà, au deuxième poteau et dégagement de Veller. Là, il est bon sur les balles aériennes. Veller, là, il nous fait plaisir. Il applique exactement la tactique qu'il fallait appliquer. Lindemann avait fait la touche là-bas. Les Bastiais ont pu repartir, dominer pendant ces quelques minutes. On déguise sur cette série de corner. Vogel. Et voilà. Et encore une balle aérienne. Oh, un but de Lindemann qui était devant Veller, mais j'avais l'impression que Veller pouvait prendre ce ballon et Lindemann a tiré. 31e minute, but donc de Lindemann. On pensait qu'il y aurait des buts dans cette partie, mais il y en a. On se disait les Allemands vont jouer le batou, les Bastiais sont connus pour leur contre-attaque. Et bien on a exactement la physionomie de ce qu'on avait imaginé. 2-1, donc déjà 3 buts. Et les Allemands déchaînés par Courbevoie, ça marche. Et on s'en sort, c'est dangereux. Et on s'en centre sur phase 2. Lancé à toute vitesse, qui passe par malheur. Il arrive à soulever le ballon. On se demande ce qui pourrait se passer parce que Veller attendait un centre en retrait. Il y a des accélérations soudaines. Match passionnant d'ailleurs, si l'on oublie un peu le score du match aller. Voilà, Johnny Rest, privé du ballon, mais qui profite d'un coup franc, Rest qu'on n'a pas beaucoup vu, il faut dire. Il y a eu deux départs, mais c'est le milieu de terrain bastiais qui a monopolisé ce ballon, et qui ici se le fait prendre d'ailleurs par Brouwer. Brouwer qui a conservé le contrôle de la balle. C'est l'heure qu'il y a Guédon, il y a un coup franc. C'est Michelotti qui va trouver Guédon d'ailleurs, lui demandant de faire attention. Oui, l'organisateur allemand vous a donné les buts avec les minutages. Les derniers étant sortis par Lindemann.
terrible au-dessus. Ils savent, ces Allemands, qu'ils ont l'avantage du vent, et Dieu sait s'ils en jouent. Sachant que chaque tir prend davantage de force et que la trajectoire de la balle est souvent modifiée. À ce deuxième but, j'avais bien pu voir pourtant Weller se saisir du ballon, mais il avait au bout des doigts. Lindman était le premier. Sur une balle croisée. Voilà, Coffrand pour Bastia. Joué par la QSA. Il laisse pour Guédon. Récupérer, laisse prendre Arlandouchi. Arlandouchi essaie de sauver ce ballon. Primo aurait pu en profiter. Et on repart côté allemand par Neuber qui a lancé la page Schönfelder. Dégagement. Dépassé la balle est allée d'ailleurs hors du terrain. Avec Larios, Rep,
à Franceschetti, préfère passer à Crimo, mais Crimo est attaqué très près par Totaldini qui le rate sur cette balle de Larios. Alors je vous disais, Crimo est attaqué très très près et facturé. En tous les cas, belle attaque Bastien ici encore une fois, et on a manqué de très peu d'égalisation par Denis Rey. Oui, c'est dommage, parce que vraiment, cette reprise, si Rep avait réussi à assurer ce qu'il fait d'habitude, aurait pu remettre les équipes à égalité et, mon Dieu, donner pratiquement une certitude à Bastia s'il n'a pas encore personne en doute ici. Il faut considérer aussi que les Bastia auront le vent favorable en deuxième mi-temps et cela peut tout changer, en ne considérant bien entendu que le résultat de ce match et de celui-ci seulement, sans tenir compte de la différence des buts entre les deux. Weiss. Il y avait trop d'érable, mais bloqué par Orlando Chi. Pour Glowein. Ah, M. Mikulati a compté un coup franc de Fassi. Sauf que ce n'est pas eux. Que va tirer pour Glowein, sûrement. C'est lui qui, en tout cas, qui prend l'élan, mais il y a Lindman aussi. Attention sur ce coup franc. Le mur bâti à trois joueurs. Lindman. Lindman qui a trouvé l'ouverture, mais Veller était bien placé. Il y avait effectivement une lucarne que Veller avait laissée dans sa défense. Lindman a essayé de passer par cette lucarne. Qui n'a pas trompé Marc Veller. Rab et Orlando Chi, un duel terrible. D'ailleurs, Rab reste à terre. Dans la rencontre avec Orlando Chi. Bah, on joue entre Neuber et Vogel. Larios avait dégagé ce ballon, qui a été remis d'ailleurs de très belle façon par Courglouvray. Alors que Schoenfazer en sortie, attention! Oh, intervention marquée juste devant son but. Oui, alors que Rab est toujours étendu au sol, là-bas, sur l'action précédente, qui s'est déroulée il y a une soixantaine de secondes. L'arbitre a laissé jouer, il n'avait peut-être rien vu, à moins qu'il attendait que l'action se termine. Jürgen Rab, le jeu d'avant-centre, peut-être sérieux sans doute, car les joueurs est-allemands n'ont aucun intérêt à faire du cinéma, comme l'on dit, pour eux, chaque seconde, chaque minute compte. Et Rab, pour l'instant, est au sol, seul là-bas, aux prises avec l'arbitre et ses soigneurs, alors que nous approchons vraiment de la mi-temps. Il reste exactement 4 minutes de jeu et toujours 2-1 en faveur du Kansai Siena, alors que Jürgen Rab, le numéro 9 d'Iéna, se relève et va pouvoir, nous espérons pour lui, poursuivre le match tout à fait normalement et pouvoir peut-être récupérer à la mi-temps. Oui. Veller qui a pris tout son temps pour dégager ce ballon, Johnny Rep est là, Brouwer qui ne lâche pas le Hollandais d'une semelle, balle récupérée par l'ailier gauche Vogel, complètement là-bas sur la droite, en face de lui, Papi, Brouwer, nouvelle attaque d'Iéna, dangereux avec Brouwer qui essaye de passer le capitaine Basquet, Orlando Chi, Orlando Chi est solide comme on le sait comme un roc, Rep qui est replié, Crimo est là, centre tête de Guédon, toujours omniprésent. Lindemann est mal récupéré maintenant par Iéna avec Franceschetti qui a à côté de lui Neuber qui s'est interposé de façon irrégulière et c'est un coup franc en faveur du Sporting Club de Bastia. Coup franc qui va permettre au Bastia de se dégager. C'est Guédon qui est là. Il y a Rep Crimo qui a en face de lui Weise, tête de Schnupfase, Vogel, Kurdjuweit. Pour la Cuesta, attaque Bastien, il reste 3 minutes avant la mi-temps, il a vu trouver Jean-François Larios, son ballon un peu trop poussé, et Larios est sans doute fatigué de ses efforts initiaux, et Larios n'a pas pu récupérer, ça repart du côté Cardassina, non, mais pour Bastien, avec Giorgio Franceschetti, Rep bien placé à 3 Allemands en face de lui, a commencé par Weiser, a voulu donner en retrait à la Cuesta, mais Lindemann s'est interposé, et ça repart pour les Allemands de l'Est, avec Marchoni, et puis Vogel qui est en face de lui,
premier dent, qui réalise vraiment un match exceptionnel, comme du reste lors de la rencontre aller. Pour les Corses maintenant, Charles Orlanducci, qui se porte à l'attaque, et il n'a pas fait très souvent au cours de cette première mi-temps, il est resté au centre du terrain, ou dans sa défense, Larios là-bas, met toujours le vent, et le ballon maintenant pour Georges Franceschetti. Franceschetti à Larios, devant lui, Rep. Caz, qui a trouvé la jambe de Lindemann. Franceschetti encore qui se multiplie en face de lui, Neuber, le même Neuber qui se voit écoper d'un coup franc. Coup franc donc pour les Bastiais à 5 mètres de la surface. Ce concert refait Franceschetti, c'est sûrement Franceschetti pour Rep, tir de Rep, contré par Lindemann. Reprise pour Rep, la défense allemande dégage un peu n'importe comment et c'est Larios qui a pu hériter de son ballon. Un départ sur la droite, 4, pardon. La QSA est passée. Ouh. Ah, se heurte avec Johnny. Les deux hommes se gênent, se l'en profitent des Allemands. Ils vont partir ici par Lindemann. Et on va retrouver Rapp. Rapp suivi, comme son nom, par Orlanducci. Vous voyez qu'il était monté pratiquement au milieu du terrain. Lindemann a centré. Et Coffran, concédé par... Franceschetti, mais l'arbitre avait sifflé la mi-temps. On pouvait confondre les coups de sifflet. Donc ici à la mi-temps, à Siena, le Kaozai Siena mène devant Bastia par 2-1. Les buts ont été marqués pour Siena à la 17e minute par Rapp, à la 31e par Lindemann. Mais entre-temps, à la 24e minute, Papi avait ramené les équipes à égalité à 1 partout avant que Lindemann donc n'ajoute ce but, ce qui donne pour l'instant un avantage à Kaozai Siena sur son terrain. Je pense maintenant que les téléspectateurs de FR3 vont nous quitter. Ceux qui veulent bien entendu voir la deuxième mi-temps de cette rencontre nous rejoignent donc sur TF1. La Méditerranée, on aurait pu l'imaginer tout à l'heure, lorsqu'il y avait quelques rayons de soleil, un stade qui n'est pas tout à fait inconnu pour le football français, puisqu'il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, et bien l'Olympique de Marseille est venu ici affronter Kaozai Siena en 32e de finale de la Coupe UEFA. Et bien les Marseillais avaient perdu 3-0 et 1-0 sur la 4e. Et si les Bastiais tout à l'heure se qualifiaient, et bien ils connaîtraient déjà un des futurs demi-finalistes. C'est une petite surprise, en effet, il s'agit des Grasshoppers de Zurich, les Sauterelles de Zurich, qui ont battu les Allemands d'Eintracht Frankfurt 1-0. Alors qu'ici, vous découvrez les banderoles bastiaises et les supporters de Bastia. Je peux vous dire qu'ils ont eu un très gros succès tout à l'heure, parce que plusieurs d'entre eux étaient coiffés de chapeaux napoléoniens. Bien entendu, les gens d'Iéna connaissent leur histoire et l'histoire de leur ville et de leur région. Ils connaissent, bien entendu, la silhouette traditionnelle de l'empereur, et cela les a bien fait rire de voir ces Bastiais débarquer avec le chapeau de Napoléon. Malheureusement, il n'avait pas d'élastique, il n'avait pas compté sur le vent. Voilà les arbitres italiens qui font leur réapparition. Il faut dire qu'ici, aujourd'hui, ce match est retransmis également en direct, alors que vous voyez ici le capitaine Weise, ce match est retransmis en direct sur les antennes de la RDA. Mais on se passionnera tout à l'heure pour l'autre match de la Coupe de l'Union Européenne, qui oppose le FC Magdebourg, le champion, qui est actuellement en tête du championnat d'Allemagne, et qui a un petit but d'avance qu'il va défendre à Eindhoven contre les Hollandais du PSV Eindhoven. Jean-François Larios, la QSA. Voilà Mario, son survêtement, Mario qui est sur le banc de touche. On verra si les deux entraîneurs ont apporté des modifications. Faisant bien le contrôler l'équipe de Bastia, apparemment, il ne semble pas qu'il y ait un seul absent. C'est l'équipe qui est reconduite dans son intégralité. Du côté allemand, nous allons contrôler aussi, au fur et à mesure que nous pourrons cocher les joueurs. Mais apparemment, je ne crois pas qu'il y ait un deuxième homme de rentrée dans l'une ou l'autre des deux formations. M. Michelotti consulte son chronomètre. 16e mi-temps donc entre Siena et Bastia. Voilà, c'est parti. Par Rapp. Une langue de balle qui parvient à Brouwer. Cette fois-ci, le vent est favorable à Bastia. Un vent qui est un peu baissé d'ailleurs, je m'en aperçois au drapeau. Qui claque moins fort que tout à l'heure. Et cela va par rafale, bien entendu. Et une longue ouverture. Une longue ouverture des Allemands qui était destinée à Schöpfer. Alors que
Kaz a concédé un corner, le premier de cette deuxième mi-temps. Attention à ces corners, à balle de demi-volée reprise par Roland de suite à tête. Papy prolonge, Johnny Red n'a rien vu devant Brouwer. Larios. Weber avait récupéré, Weisse. Grappatine qui trouve Lindman. Alors on joue sur l'aile droite sur Brouwer. Une talonnade de Dopper pour Brouwer. Et Guédon concède un corner, deuxième. Ça, les messieurs n'hésitent pas. Ils ont raison pourquoi laisser le jeu se développer à l'approche de leur but. Attention au corner de Vogel, repoussé par la défense bastiaise, Larios qui a accompagné Papy. Coup franc pour les bastiais. Alors là, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, je suis à Rennes, il a droppé. Il a fait carrément un drop, il avait la balle dans les mains, il a laissé tomber. La balle aussi n'était pas arrêtée, mais M. Michelotti n'est pas d'accord. Et on s'en doutait, figure. Et donc, peut-être pour la tête de Crimaud, eh oui, c'est ce qu'il avait tenté. Les Allemands se sont dégagés. Dopper, Wiedenhaber, Brouwer, Rapp, petite déviation, mais qui trouve cas sur son chemin. Johnny Repp pour Jean-François Larios. Il prononce pour Kaz, très avancé, il va peut-être revenir à centrer. Non, la balle était trop rapide. Avec Power. On va essayer d'aller très loin pour chercher peut-être Rapp. Finalement, on repart sur la droite par Rapp qui a trouvé sa peur. La touche est au bénéfice des jaunes, c'est-à-dire de Causa Viena. Lindman. Vraiment technicien, c'est Lindman. Balle trouvée par Franceschetti, prolongé par Jean-François Larios et bousculé là-bas par Pio Trezzo. Je vous dis qu'il n'a fait pas. Il stoppe tous les objets du monde, parce que là il a tort. La faute est Benet. Guédon cherche peut-être Papy. On va plus loin sur Ref, qui lui a essayé de remettre sur Papy. La Cuesta. Orlanducci, Franceschetti, Guédon, sans doute pour Veller, et les sifflets traditionnels. Là, il s'est dégagé, Lindman, il est de partout, il est tantôt en position d'arrière gauche, tantôt en position d'ailier droit. Brouwer. Ah, il y a un marquage individuel très strict. Les Allemands démarqués sont rares. Voilà, la touche devrait être bastiaise. Et remise en jeu par Kaz. Larios. Papy. Pour Johnny Repp. Qui trouve Larios. Bien joué de la part de Bastia. Repp. Une deux avec Larios réussi. Oh, bon lance pour Crimaud qui était carrément ceinturé. Ah, Crimaud arrivait, Rêve aussi. Les Allemands les premiers. Pourtant, Crimaud avait été carrément ceinturé sur cette action par Weisse. Lindman. Lance transversale. Là-bas pour Schoenfazer. Contre Bastière, mais les Allemands ont toujours le ballon. Repoussé par Papy du pied gauche. Attention, il est dans la surface, premier contrôle de Pélatine, Rapp. Il se retire avec Orlanducci, il a envie de se jouer. Larios.
la Cuesta pour l'Arios, qui était déjà revenu. Et on dit qu'il n'est pas rapide. Bref. Papi. Marconi. La Cuesta. Orlanducci. L'Arios. Déviation de Franceschetti, qui était pour l'Arios, bien parti. S'enfonçait dans la défense, dans la surface, mais devancé par les Allemands. Qui joue moins rapidement qu'en première mi-temps, en tout cas dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. On les a vus plus incisifs. Pasteur. J'avais tenté une deux avec Paul Zorai. À la lutte avec Topper et un ballon dont profite Marc Vélez. Et en cette deuxième mi-temps, 7 minutes de jeu, toujours 2-1 en faveur de Calva et Siena, alors que les Bastiais ont essayé d'attaquer ici. Papi se trouvait non loin de Weise, mais le capitaine du Calva a réussi à redonner à son gardien Grappestin. Noack, qui est l'un des gardes-corps de Crimo, lorsqu'il n'y a pas Weise, et croyez-moi Crimo, si vous ne le voyez pas toujours à son avantage, c'est qu'il est étroitement surveillé et souvent saturé ici. Vangel qui a donné pour Schurpaza, fort heureusement pour les Bastiais. Il y avait là le numéro 2, Marchioni, qui a relancé la mécanique, comme l'on dit, pour Franceschetti. Claude Papi, il y avait l'arbitre au passage. Guédon était là, Rade également, une très belle balle pour son camarade. But de Vangel, après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Voilà le but numéro 11 qui permet maintenant à Carvalho qui est là, devenu par 3-1. Alors que Vogel avait été parfaitement lancé par son camarade. Donc à la 8e, on fait 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et Yéna, 3, Bastia, 1. Mais bien une pause de défense. La fraîchesse des Bastiens plus honteux trop facilement. On n'a pas à s'arrêter sur une action comme l'arbitre n'a pas sifflé. Alors nous, on veut le bras pour protester, mais tout le monde s'est arrêté. On a laissé Vogel aller sur Vélez. Il se trouve que Vogel a bien joué le coup. Vélez a été trompé sur cette balle, il s'attendait à ce que Vogel s'avance, Vélez a tiré. Et voilà qui relance tout à fait l'intérêt du match, heureusement pour les Bastiais. 3-1. On a vu un but bête, faut dire, parce que si les Bastiais étaient restés vigilants, je ne pense pas que Vogel a eu l'occasion de marquer ce but, mais on l'a laissé faire, pensant qu'il était hors jeu. Il a tiré bien avant qu'on s'y attend, d'ailleurs ce tir à la terre qui est passé entre les jambes de Vélez, qui s'attendait à le réceptionner à ce moment-là et à plonger dans les pieds. Cela arrive. Donc 3-1 pour Yéna ici. Il appartient à Bastia maintenant, gros sur le plan de son standing, de réduire la marque si possible. Et pourquoi pas de remonter. Bastia est toujours habitué à d'autres exploits. Par contre, j'ai gêné tout à fait les attentes. Alors qu'il faut rester calme dans la défense bastiaise. Calme à venir à Vélez devant l'assistance de Dorac. C'est infiltré à la hauteur des buts bastiaises. Là, Weise, d'une façon spectaculaire, un ciseau. La QSA, c'est exprimé du ballon par l'image. Sauf sur Rafa, Franceschetti. Pour 30 ans pour les Allemands. Et attention, nous ne serons pas de le répéter. Sur ces ballons. Non, Lippmann a préféré jouer très vite. En réalité, dans ces cas-là, on va chercher là-bas sur la gauche, Raph. Raph, tout en l'embouché. Raph est en train de pivoter. L'ambiance est montée d'un cran ici, et de par le but et de par quelques fautes successives, j'en un peu le plus au poudre. Non, la balle était manifestement derrière, ça c'est tout simplement parce que Schumacher a voulu calculer la force du vent. Il joue contre le vent maintenant, il a tiré trop fort, il avait spéculé sur une résistance supérieure, et la balle s'est retrouvée derrière les buts de Vélez. Et on constate qu'après chaque but marqué par les joueurs est-allemands, eh bien, Calva et Siena redouble d'activité, se multiplient sur le terrain. Cette bonne guerre, c'est tout à fait normal.
disons que leur morale s'améliore, même s'il leur faut gagner maintenant par 6 buts d'un pour se qualifier, eh bien ces joueurs et allemands se montrent nettement dangereux dans les 5 minutes qui suivent un but. Pour l'instant ici c'est un tir d'Asien qui passe très au-dessus de la cage de Grappelstein. Francesc Hesi a essayé de reprendre ici avec l'avantage du vent, appliquant une méthode qui a réussi aux Allemands en première mi-temps, mais le ballon était trop enlevé. En laissant c'est sûr pourtant Sébastien en début de deuxième mi-temps, c'est eux qui avaient eu la meilleure initiative, qui avaient contrôlé un peu le jeu. Et puis ce but les a quelque peu compactés pendant les minutes qui suivaient. Il faut dire que Vogel était tellement isolé, Pierre, que la défense bastienne était absolument persuadée du hors-jeu. Ils l'ont laissé jouer tout de suite, ça aura été fatal, malgré la sortie de Zeller. Toujours ces joueurs restent allemands qui se multiplient, mais Johnny Rep était là, Larios, Lacuesta, et puis maintenant Martioni qui a voulu relancer, mais c'est Brouwer et Rab. La balle qui se trouve complètement sur la gauche, en face de lui Orlandici. Martioni n'est pas loin, Rab toujours. Évite son camarade Weise. Orlandici est là, ça se perd. Mais Bastier se sent bien regroupé, ça repart pour les Bleus. Bastier avec Larios, il est à côté de lui, Johnny Rep. Il fait signe que Francesc Hesi est à droite. Rep, Larios. Francesc Hesi, Johnny Rep est bien placé, mais sorti très opportune de Grappelstein, le gardien est allemand. Mais c'est dommage que Johnny Rep est tardé, il a perdu et reçu, il a perdu aux Allemands de revenir un peu parce que je peux vous assurer que Larios est vraiment en très très bonne position. Vraiment dommage que Johnny ait touché ce ballon. Attention là-bas à Vogel. Et Gazon, lui, il y a fait attention puisqu'il a sorti dans son dos et il n'a pas été à concéder un corner. Ah, il ne faudrait pas paniquer en défense à Bastia. Des Allemands ont inscrit 3 buts. Le trajet, ça n'a pas tiré ce corner. Attention, Bastia crochet, où il va aller ramasser la balle. Alors vraiment on a eu peur parce que il suffisait d'un rien pour que le match puisse la reprendre. Voilà, petit jeu derrière là, entre la QSA et CAS. C'était beau, c'était bien fait, et je veux vous dire que c'est un danger, tout simplement. Parce qu'il y avait Topper à l'affût. Bref. La QSA. Mauvaise passe. Et Courfranc, quand ce départ calme, vite trouvé par les Allemands, par l'intermédiaire de Neuber, qui a sauvé Weisse. Il lance là-bas contre Weisse. Et le numéro 5 est l'entreprise. C'est Guédon qui a eu le dernier mot. Et les Allemands profitent encore. Tiré par contre Weisse. On va le rater, c'est Papy qui a pu la reprendre. Ah, c'est Clément qui va partir. C'est donc qui a été retenu par Norak, qui a sorti le danger. Mais ce n'est pas terminé. Attention à ce sort. Oh, la tête de Clément, c'est pas ça, c'est 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 ça, allez, ça, c'est 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 là, ça c'est la fin de l'action, Feller a pu intervenir, mais là le ballon était déjà mort pour les Allemands, il avait laissé échapper. Et il peut tout se passer dans ce match, il pourrait y avoir très bien actuellement qu'il y a un changement du numéro 13, Segenwald. Segenwald s'apprête à rentrer, il retape plus vers le numéro 7, Segenwald à la place de Teber. Voilà un quart d'heure de jeu, donc 3-1 pour l'équipe allemande qui devient notre gardien. Mais malheureusement, le gardien Bastier Veller était bien placé. Nous assistons peut-être au tournant du match, il devait y en avoir un, car les situations sont maintenant extrêmement chaudes dans le camp Bastier. Les Bastier qui doivent souvent se dégager sur corner et qui doivent se montrer extrêmement vigilants dans la surface de réparation maintenant. Où c'est par exemple Sébastien qui va rentrer, qui attaque et qui est relancé par Kaz. Assez
violemment, pour ne pas dire l'extrêmement, le syndicat aussi s'interpose entre Francis Bété et puis le numéro 8, Lindemann, qui va peut-être tirer ce coup franc, donc une fois Vauguet. Situation extrêmement chaude, attention les baskets, il faut repousser les attaques étalement le plus loin possible. Lindemann au coup franc, balle retrait, et il y avait la tête de Francis Bété qui met le ballon en corner. Mais alors, comme c'est un autre Carl Zaïtiena que nous voyons en ce moment, et ceux qui avaient trouvé que Carl Zaïtiena était trop faible, alors que le corner, vite joué ici par Vogel. Vogel du pied gauche, oh, Brouwer, bien entendu, juste au ras du poteau, qui confirme bien ce que nous étions en train de dire. C'est un autre Carl Zaïtiena, c'est le vrai Carl Zaïtiena que nous voyons. Cette équipe a craqué à Bastia, et il ne fallait pas pour autant en discuter la qualité. Le succès de Bastia était probant. Les 7 buts maintenant prennent toute leur valeur, puisque nous voyons la véritable équipe de Carl Zaïtiena, qui n'avait jamais subi pareil déroute, à qui il est arrivé un accident, mais qui aujourd'hui fait la partie que les Allemands ici attendaient d'elle, et nous ont dit d'ailleurs qu'ils étaient sans surpris du résultat. Oh là là, Meller a raté son dégagement alors qu'il y avait 3 Allemands en embuscade. Un peu décousu maintenant, ça fait la bataille de tranchées, et il faut que Bastia tienne à tout prix. C'est peut-être le moment difficile que Bastia connaît dans cette Coupe d'Europe, mis à part les matchs années précédents où il était mené chez lui. Il a fallu revenir au corps et voyez Pierre Kelzac, le fils de Philippe, visage compacté par le froid, mais aussi par la tension qui règne. Primo a essayé de redresser cette balle. Dont profitent les Corses. Franceschetti, bref, bien gardé. Et oui, ce sont les Allemands qui ont pu repartir par quelques balles. Lobner, l'homme fait. En dépit d'ailleurs, il a trouvé Vogel immédiatement. Attention au centre de Vogel. Il la remet sur son pied gauche. Voilà, Karl de son attaqué. Il a été déjà sanctionné dans le coup tout à l'heure. Stoffer. Il n'a pas trouvé Vogel sur l'aile droite. Mais décidément, il y a une pression allemande terrible. Voilà, Vogel. Le pied gauche, qui est dans de la tête. Johnny Reff, de façon acrobatique, là-bas, la QSA, il laisse pour Reff, qui prononce pour la QSA, se met sa contre-attaque typique de l'équipe de Bastia, prononce pour Johnny Reff, à tout portant, début. Début pour Bastia, c'était la contre-attaque, c'était elle. Grappelti s'est bien interposé une première fois sur le tir de Johnny Reff. Et Grimaud était parti pour la réception. 3 à 2, et bien... Ces actions passées sont dans les temps de partir, c'est la contre-attaque typique. Bien joué par Philippe Sacuesta, prolongé par Reff, premier arrêt du gardien, et Grimaud est là. C'est le but qu'il fallait à Bastia maintenant pour se libérer totalement. Primo, ça nous rappelle ce qui s'était un peu passé. Attends, il est, les Bastiais viennent de marquer un deuxième but et il était temps, car il ne faut pas oublier qu'avec deux autres duels allemands à 3-1, et bien, Guéna arrivait sous les ballons de Bastia. Et là, ça pouvait être extrêmement dangereux. Voilà, carton jaune de M. Michelotti pour Kals. Et discussion entre. Reff et M. Michelotti. La mur Bastia de joueurs, Reff et Grimaud et Lindemann va tirer ce coup. M. Michelotti demande à Grimaud et Reff de se reculer à distance réglementaire alors que Meller leur demande de se déplacer latéralement parce qu'il masque actuellement le ballon. Oh, tous les Allemands. Alors là, ils étaient 6. La défense basée était démontée, c'était bien joué, et les Allemands se sont retrouvés devant le gardien. Brouwer. On cherche Rath, on a failli trouver. Orlando Chi pour Marc Vélez. En tous les cas, on doit
respirer tigrement là du côté de Furiani. 3-2 maintenant, autrement dit il faudrait un 7-2 pour que nous ayons droit aux prolongations. Et là les joueurs bâtiers risquent maintenant de se montrer non pas maître de la situation, mais pour pouvoir poser leur jeu calmement et repousser une fois de plus les joueurs allemands au centre du terrain, car ils avaient vécu là un quart d'heure assez chaud en ce début de deuxième mi-temps. Surtout lorsque les joueurs de Cardinal ont marqué leur troisième but par Vogel, fort heureusement, Lapesta, Rep et puis Primo en dernier ressort étaient là. Et c'est Lindemann là, qui est passé par-dessus Marcioni. Vogel, Lindemann toujours pour Rad. L'avant-centre, balle Papi à contrer. Orlan Pucci très calmement. Lindemann. Vogel et Schnupfase, Marcioni, et on s'aperçoit subitement que la défense basket est très à la hauteur de la situation, encore qu'elle concède ici un corner sur cette tentative de Schnupfase. Je trouve d'ailleurs que cette équipe basket n'est jamais plus grande que quand c'est là, comme ça, un moment difficile, qu'elle a à défendre à tout prix, alors que les Allemands ont joué ici un corner, qui est parvenu à Courbe-Lovaille, qui relance loin devant, c'est pour la tête de Rapp, mais c'est Guédon qui a surgi. C'est très beau jeu de la tête de Guédon, vraiment. Il aura pris énormément de ballons. Et il faut le faire, le Rondelet. Alors qu'ici, Tribault pourrait peut-être profiter d'un contre, qui a compris très facilement Noack, qui a assuré sur Klapati. Oui, cette équipe de Bastia qui ne baisse jamais les bras, que l'on sent presque malmenée, qui encaisse un but et qui parvient en contre-attaque. C'est ce que nous avions maintenant à augmenter son capital et à marquer deux buts ici à Iéna. Je vous rappelle, si vous rentrez maintenant, si vous vous mettez à l'antenne, qu'en deuxième mi-temps, à Iéna, Iéna mène devant Bastia sur le score de 3-2. Ils ont joué très vite d'ailleurs, les joueurs allemands. Il y a peut-être certaines statistiques qui se fait sentir. Brouwer. Pour Lindemann. Alors que Reff va essayer de profiter de ce ballon, se relève. Là-bas pour Jean-François Larios. Et devancé de justesse par Courbe-Lovaille. C'était vite joué de la part des Bastiais. Reff avait profité du contre, mais il avait trébuché. Reif pour Topfer. Bien joué de la part de Orlan Pucci. Il se fait quand même utiliser le ballon par Fekewald qui profite d'un coup franc. Enterré par Courbe-Lovaille. Attention à cette balle aérienne. Avec de l'effet. Attention à Topfer. Balle brossée, mais dedans, attention. Oh, Vénère en deux fois. On a vu cette balle au ralenti redescendre carrément un peu, une balle à la Jazik, bien brossée, qui tombait en feuille bord dans le but. Et heureusement que Valère a réalisé le danger. Pendant un instant, on a cru qu'il n'y croyait pas. Lindemann. Alors, tous les Allemands sont en attaque. Attention à la boule. Vogel. Et oui. Ah, il fallait s'y attendre. Vogel qui s'apprêtait à réceptionner cette balle. Qui partait et pénalty succès pour M. Michelotti. Il faut dire que l'intervention du numéro 2 Mathieu Marchionné était énergique, on peut le dire, un peu trop, et ce pénalty se justifie entièrement. 3-2 en faveur de Karl Daikina qui va essayer bien sûr d'en marquer un quatrième. C'est Topfer qui va tirer manifestement ce pénalty, ou Vogel, on va voir lequel des deux. C'est Topfer en tout cas qui prend son élan. Attention. Et bien côté Marc-Veller, plus de Topfer. Il y a 25 minutes en jouant cette deuxième mi-temps. Il y en a 4, Bastia 2. Pour prendre marqué. Pénalty marqué par Topfer. Et maintenant on réalise combien ce but de Primo sera utile à l'équipe bastiaise.
Imaginez-vous un seul instant qu'il n'y ait pas eu ce but et que le score soit de 4 à 1, combien on aurait souffert. Les fans départ de Saint-Gevald. Saint-Gevald toujours. Quel c'est là-bas. Il faudrait tout traiter. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, la décision de ce qui est aussi. Il y a cette relation, c'est vrai, mais il me semblait qu'il n'y avait pas vraiment coup franc. Les deux joueurs étaient à la lutte et Saint-Gevald a trébuché sur le joueur Bastier, et s'est même accroché en tombant. Quoi qu'il en soit, attention à Vogel. Il reste un quart d'heure de jeu.
Et Yéna mène sur le score de 4 buts à 2. Papi, ref. La Cuesta. Larios à sa droite. Sanchez Quétignan sur ce tour. Va faire passer par Larios. Le rabat au centre. Papi. Pour Larios. Sans doute pour Papi. Voilà. Pour Larios à nouveau. Va se brosser de Papi. Mais Larios n'était pas parti. Les enfants contre les deux hommes. Combien au bail. Littman. Parce que Sengneval, là-bas en position de gauche, a pu récupérer. Et il repart. Un second frein. En plein deuxième mi-temps, Guédon est intervenu. Larios, Franceschetti. Relais avec Johnny Rep. Attends si c'est un départ de Johnny Rep. Ouais, non. Pas dans un très bon jour. Raph va laisser pour Sengneval. Le est au centre, Raph toujours, et profite d'un corner, concédé par Charles Orlandouche. C'est Topfer qui va tirer le corner. Attention à Vogel, attention à Sengneval. Non, Kaz a pu dégager, Papi prolonge. Oh, joli reste, qui ne redonne pas la Raph. Donc ça pouvait être dangereux. C'est Fazeux qui va tirer. Contré. Roule-là. Roule-là. Vogel était prêt à partir. À l'ennemi de la surface. Et maintenant Sébastien par la QSA. La QSA toujours. Et qui profite du contre. Va centrer. Non. Balle trop haute. Portée un peu par le vent. Il n'a pas pu la travailler cette balle, la QSA. Ah, on va d'une surface à l'autre. Vogel avait eu pratiquement une chance de marquer, il était seul à l'ennemi de la surface. Si le contre lui est favorable, il aurait pu partir et puis ça bascule dans le but allemand. Grâce à la QSA d'ailleurs qui prend souvent les ballons. Allez, dégagement complètement raté par Vogel mais qui a quand même trouvé un partenaire. Bien malgré lui, en l'occurrence Brouwer. Pour Jovail. Jovail qui a trouvé les choses fraises. Pour Jovail en position d'ailier droit, va centrer, centré par Guédon, corner. Corner en faveur des joueurs allemands, alors qu'il reste 12 minutes de jeu et qui va être rapidement tiré à l'arrêt moins un peu entre Kubiwait et Schnupfazer. Une fois de plus, l'entraîneur est sorti du poil, il est à nouveau dans son jeu. Mais pas de danger car la balle a été réceptionnée par-dessus le filet. Il reste 12 minutes, toujours 4 à 2 en faveur du Kardakina alors que l'on revoit cette balle à la suite du corner. Sengneval qui a essayé de lober Veller, c'est bien vu d'ailleurs, beaucoup de coups d'œil. Et il a failli réussir d'ailleurs, la balle a atterri vraiment derrière la barre. Et puis avec le vent, tout est permis, vous voyez, on ne faisait plus beaucoup d'illusions. L'homme le plus solide sur le banc de touche était Hans Meyer, l'entraîneur est allemand, alors que Johnny Rep là-bas était bien placé, et qu'il avait en face de lui, heureusement, Sengneval qui a réussi à redonner en retrait pour Grafesting. Sur le banc de touche, Pierre Cahuzac, peut-être de bon remplaçant comme De Zerbi, Mario ou Félix, mais il est satisfait de cette équipe avec Cribaud. Et avec Rep, une équipe qui évolue davantage en contre, il continue à leur faire confiance. Ils ne vont rien changer alors qu'ici, nous le pression lancée. Mais Veller était là, une très bonne balle du numéro 10, Topfer. Cela confirme d'ailleurs la bonne partie de Marc Veller qui aura eu un rôle déterminant dans ce match. Non seulement sur les balles hautes, comme nous disions précédemment, mais alors qu'ici, quelques balles. En ce qui est un coup franc. Une charge de la QSA. Veller a été bon, non seulement sur les balles hautes, mais sur cet arrêt terrible qui a été déterminant. Ça aurait pu être un but. Weisser. Loin devant. Pour la tête devant de Vogel. Sengneval a récupéré. Avait essayé de glisser à Lindman. Sébastien repart. Rep. Calme.
pour Larios. Contrôle de Larios, il profite à Papy. Caz sauve cette balle, mais pour les Allemands. Littmann l'avait récupéré, Brouwer, Littmann. Littmann change d'axe. Et fait les trouver là-bas, 5 de balle. Il lui lance Noir. Pour Topfer, pour Novak. Intervention de Guédon. Et pour les Bastiais, par Franceschetti. Guédon. Ah non, on va passer son service, Guédon. Il va chercher Papy. Il faut pas descendre. Il reste 8 minutes à jouer dans cette rencontre entre Iéna et Bastia. Et je vous rappelle que Iéna mène sur le score de 4 à 2. À 6 minutes de la fin. À 8 minutes de la fin. Une manne. Guédon a repoussé. La QSR a repris ce ballon. Et c'est lui qui effectue la remise en jeu. Papy. On allait chercher Rep. On n'a répondu que Lindman. Brouwer. Voilà la façon allemande. Les centres aériens devant le but. Larios. Primo, ça peut aller très vite. Johnny Rep. Johnny Rep qui n'a plus que Weisse en face de lui. Eh, on ne parvient pas à passer. Bonne intervention de Weisse. Brouwer. Il aura fait aussi une grande partie, très très bonne arrière, très sûr. Rappelant un peu Burkhardt, le bastien. Accroché par le maillot, la QSA. Monsieur Michelotti laisse jouer. Franceschetti, Papy. Peut-être pour Larios qui était parti au centre, non mais série de trop près. Il va le récupérer par Marchioni pour Rep. Tous les Bastiais sont maintenant à l'attaque. L'ensemble de Rep pour Kass qui contrôle du pied gauche. Parvient à centrer. Larios va peut-être en profiter. Remet au centre. Tentative de Grimaud. Et corner pour les Bastiais, c'était bien joué. Or maintenant ils doivent se dire que il reste 7 minutes de jeu. Pourquoi ne pas essayer de revenir au score. Papy s'était jeté sur ce ballon récupéré par Littmann. Il prochaine de Littmann et une balle qui parvient à Rapp. Un Topfer devant lui. Vogel. Ah, c'est bien joué entre les deux hommes. Vogel avait remis. Weisse. Weisse qui crochait. On peut être un peu trop. Mais oui, Marconi était là. Corner. Corner pour ces 5 dernières minutes, alors que les joueurs est-allemands s'activent, sans doute pour l'honneur, avec le numéro 13, Sengenwald. Lindemann toujours présent, Zeller encore là. Une nouvelle tête qui est signée de Topfer. Mais le ballon va être remis en jeu par la défense bastienne alors que les 5 dernières minutes de jeu sont entamées maintenant. 4 à 2 toujours en faveur du Karlsruhe Jena. Autrement dit maintenant, le billet pour les demi-finales est bel et bien acquis par l'équipe bastienne. Alors que Guédon s'efface pour Veller. Et puis Veller à nouveau. Cette fois les Bastiais ne se pressent plus. Le score est pratiquement acquis, sinon la qualification, et ne sait-on jamais, pour l'honneur, ces Bastiais vont peut-être vouloir marquer encore un troisième but. Grimaud toujours pressé de près par le lac, arrive à se dégager et Johnny Rep est là avec les mains car il y avait eu un coup de sifflet de Bessiani. Quel dommage tout à l'heure, il y a 3 minutes que Johnny Rep n'est pas vu Grimaud qui était bien placé là-bas. Il aurait pu reprendre la balle du Hollandais. Ça repart par Vogel maintenant. Intervention de Marchioni et coup franc en faveur de l'équipe est-allemande. Avec le numéro
équipes qui auront fait un match plein durant les 90 minutes de la partie. Voyez pour la fin, on fait reculer le numéro 8 de Carl Zeiss de quelques mètres. Règlement jusqu'au bout de la partie. Il prend beaucoup d'élan, Zindemann. Les joueurs basket sont groupés. Tentative de tir, mais Claude Papy était là. Et puis Johnny Rep toujours placé là comme une flèche. Il y a là Larios à côté de lui. Johnny Rep prévu, se reprend le ballon. Finalement, il y avait en face de lui Novak. Mais Michael Lucic sent justement un coup franc rapidement joué. Tir de Larios. Le ballon était bel et bien en jeu. Vous voyez que les Bastiers ont joué très rapidement. Et Larios a bien failli marquer le troisième but, mais Grappelstein était là. Et ça repart pour les joueurs extrêmement avec maintenant Segenwald pour Schnupfazer là-bas, complètement sur la gauche. Mais il y a Jean-Louis Caz et puis Franceschetti. Et un ballon Bastier avec Larios. Franceschetti et puis le numéro 3, Jean-Louis Caz qui contre-attaque. Une des dernières contre-attaques Bastien. Il reste 3 minutes de jeu. 4 à 2 toujours. Et Bastien qui sera assuré des derniers finales. Claude Papy tente ici, mais Grappelstein, l'immense Grappelstein était bien sorti. Et les joueurs allemands se dégagent maintenant. Avec Novak. Il faut remplir son contrat jusqu'au bout. Segenwald a donné à Novak. On ralentit, c'est tout naturel maintenant, car les joueurs de Jena sont fatigués, aussi bien sur le plan physique, à la suite des efforts qu'ils ont prodigués durant 90 minutes, et aussi sur le plan moral, alors que Johnny Rep est encore là, a failli pouvoir donner une bonne balle à Larios, mais Jean-François n'a pas pu la récupérer, et c'est une touche en faveur du Carl Zeiss Jena avec Brouwer. Voilà, il reste 3 minutes de jeu avant de mettre. Donc on peut dire cette fois que Bastia est qualifié, vivement donc ces 3 minutes avec sérénité, ce qui ne nous empêche pas d'avoir certaines émotions sur ces attaques allemandes incessantes. Vogel, devant Marchioni, Vogel qui avait cherché Rab et c'était bien vu, il avait pivoté. Et maintenant pourquoi pas les Bastiais, Papy, un primo devant lui, Franceschetti la passe sur la droite, il a vu, Franceschetti, et non. Difficile quand même à passer, c'est Novak. Les Allemands tiennent un coup franc. Toute dernière minute de jeu. Les Bastiais n'auront pas réussi la phase de 8. 7 victoires successives. Mais l'important, l'essentiel, c'est d'aller en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Seront le 4e club français à y parvenir. En demi-finale d'une Coupe européenne. Après Reims, après Saint-Étienne et après Lyon. Claude Papy, privé du ballon, par Segenwald qui rentre. Rapp. Ah, c'est bien joué, Rapp pour Topfer. Pour Topfer qui se croyait attaqué par Guénon, a préféré prendre les devants. Papy d'une touche. Remise par Rapp, Segenwald. Ah, Lindemann attendait ce ballon. Johnny Rep pour Larios, la Cuesta. La Cuesta, ah, qui croyait que Rep l'avait suivi sur la droite, alors que Rep était derrière lui. Une minute de jeu pour la mettre. Et toute dernière d'attaque, Lindemann. L'homme qui aura permis au Carl Zeiss Jena de sauver l'honneur. Guédon tranquillement sur ce centre de Schoenfazer. Ainsi, Bastia serait qualifié et Jena aurait passé en partie sa déroute subie à Furiani. Claude passe. Attention à Topfer dans la balle trop longue. Une des toutes dernières occasions des Allemands. M. Michelotti en peut-être décompté une minute environ pour la blessure de Marc Weller. Le seul incident notable de la deuxième mi-temps qui a pu neutraliser le jeu. Nous vivons donc à partir de maintenant la toute dernière minute. Primo avait réussi, mais c'était aidé un peu du coup de M. Michelotti, le lui dit. On prend donc pour les jaunes. Intervention en cas de cette peur.
récupérer d'ailleurs, qui peut centrer. Ah, tête de chaude phase. Toujours dangereuse la tête des Allemands, c'est quand même terrible, là. Ils ont un jeu particulier. Tout ce qu'ils sont, dès qu'ils sont à proximité du but sur les ballons, très dangereux. Ils sont des balles surtout travaillées, ce n'est pas. Ce sont des têtes très dirigées. Monsieur Michelotti doit consulter son chronomètre. Voilà. Et il siffle la fin de cette rencontre qu'il voit ici, dans ce match de retour des quarts de finale de la Coupe UEFA, la victoire de Iéna sur Bastia sur le score de 4-2. Les buts étant marqués par Raph, Papi, Lindman, Vogel, Primo et Topper sur pénalty. Je le disais tout à l'heure, c'est la quatrième équipe française qui arrive dans une demi-finale de Coupe européenne. Bastia connaît pas son adversaire vendredi lors des tirages au sort à midi à Zurich. C'est un grand moment pour cette équipe bastienne parce que la défaite, il ne faudrait pas que ces 4 buts maintenant puissent atténuer la joie d'être qualifiés pour les demi-finales et de pouvoir poursuivre une carrière européenne si rare chez les clubs français. Quant au club de Iéna, bien sympathique, il a sauvé l'honneur et il a effacé en partie cette déroute subie à Furiani. Souhaitons donc bonne chance à Bastia, attendons le tirage au sort. À ce stade-là, tous les clubs sont forts, quels que soient les résultats de ce soir. Et nous verrons bien si Bastia, comme il a laissé supposer lors de ses 7 victoires successives, peut prétendre, et nous en sommes persuadés, à une victoire finale dans cette Coupe de l'UEFA.